57 pour un nouveau épisode sur Destiny 2. La ruche voulait reprendre la guerre depuis la Lune. Elle a construit une forteresse. Une scène depuis laquelle annoncer son retour. Vous avez gravi cette citadelle écarlate et affronté la ruche. Vous l'avez enterré. Mais nous avons trouvé d'autres membres de la ruche sur la Lune. Ah bon? À ce point-là? Les ténèbres viennent à notre rencontre. Nous devons y aller aussi. Ok. C'est parti, mon kiki. On y croit. Moi, j'y crois. J'espère que vous y croyez. Moi, j'y crois, personnellement. Non, mais sans blague. Ok. Oh la vache, ça c'est une sacrée carte. D'accord. Je vois. Voilà le truc. Ok, chargement en cours. Alors, ça me dit quoi? Le jour que nous redoutions a fini par arriver. Les ténèbres sont là. Ok. Il nous faut des troupes. Salut, Voldemort, comment tu vas? Il y a une pyramide. Rasputin a déjà été désactivé. Je m'appuierai bien sur l'expertise d'Eris, mais impossible de la joindre. Nous savons tous deux ce que ça signifie. Eris représente notre meilleure chance de comprendre ce à quoi nous faisons face. J'avance un peu sur Destiny 2. Elle est bien trop précieuse à nos yeux pour... Gardien, trouvez-la. Ramenez-la saine et sauve. Ok, là, j'ai ma mission. Eris Morn. Une gardienne sans spectre. Je me demande ce que l'on doit ressentir. Le vide. La normalité. Avec. Lorsque je regarde ce vaisseau... Eris, est-ce que vous nous recevez? Eris? Rien. Zavala, répondez. Je dois y aller où? Avez-vous le moindre signe? Mes signaux sont supprimés. Je ne peux même pas invoquer un passereau. Que voyez-vous? La pyramide. Ouais, une grosse pyramide. Oppressante. Comme une tempête qui se forme. Alors faites vite. Partez avant qu'elle n'arrive. Okay. Compris. Je dois passer par où? Et je peux pas invoquer. T'as déjà joué à Destiny 2? Voldemort? Non.
Non. Ne faites pas. Voilà. Vous voilà, venez voilà. Avec des armes. Vous n'en aurez pas besoin. Nous n'offrons que la vérité. Nous devrons. Oh my god. Quelque chose nous a extrait du rayon. Ah mais quoi ? Quel est cet endroit ? Voilà, voilà. Voilà, j'aime pas ça. Je peux pas invoquer la moto. Nous sommes de retour sur Io. Ouais. Près du berceau. Allez. Je reçois de faibles signaux d'Eris maintenant. Et bah. Continuons. Continuons. Les croix. Ah mais je te le dis. L'air ici est saturé d'étranges communications. Je ne sais pas si je peux. C'est vous, gardienne? Votre présence est requise à la tour. Zavala nous envoie. Évidemment. Je vais vers le berceau. Il m'appelle. Il? Qu'est-ce que c'est ? La ruche est frénétique. Partez là. Nous devons. Zavala, vous avez entendu ? Ouais. Je récupère des mules. Interférence. Je ne peux pas trianguler son origine. Continuez. Le signal s'améliorera peut-être plus loin. Pas trop ça. Elles sont vachement excitées. Je dois passer par là. Ok, je vois le géant. Ok. Vachement motivé les mecs. Ok. Ok, ok, là j'ai... Arrête de te planquer, toi! Je l'ai mis. Et celui-là, je vais l'achever au coup de poing. Voilà. On est en supercharge. Ok, et toi aussi, tu vas te calmer. Alors, on va débloquer quoi en arme ? Je vais monter comme ça. Gardienne, votre aide ne serait pas de trop. Il y a d'autres forces en jeu ici. La ruche.
Nous devons partir. Ok. Allez. Ok. Ok. J'aime pas trop ça, mais j'ai pas trop le choix d'y aller. Je fouille bien partout. Ok. What the fuck? Ok. Non mais là c'était sûr. Ok. Ok, là, je vais me défendre comme je peux. Ok. Voilà. Venez. Pas cool. Allez, allez, faut que je recharge. Barre à force. Je vais récupérer tous les muns. Ouais, si tu veux. Le pognon. Ok, là j'avance. Pas trop cet endroit.
Un peu bizarre cet endroit. À toutes les fréquences. Y a quelqu'un ? Ouais, y a quelqu'un. Iris, parlez-nous. Dites quelque chose. Je vous en prie. Allez ! Quand même bizarre. Qu'est-ce que c'est ? Ah, qu'est-ce que c'est ça, ce jeu ? Chose là commence à m'énerver. Mourez. What? Ok. Là, ça a servi pas mal de choses. Ok, là faut que j'avance. Je suis ok là. Allez, meurs. Là je roquais partout. Nous a ramené à l'intérieur. Quoi ? Cela nous éloigne d'Eris. Là, je vais faire avec. Regardez. Ouais. Ce sont des yeux. D'accord. Là, c'est pas cool. Ok. Allez.
Ok. Ok. Il y en a comme ça. Avancer. D'accord. Je me recharge. Maintenant. Et... Ah ouais. Comme ça. Voilà, je vais faire ça. Un deuxième. Ok, ok. Allez, il est pas épineux. Ouais, meurs.
Ouais. Ok. Ils sont beaucoup trop nombreux. Ouais. Ça suffit. Allez, allez. Quoi? Vous êtes blessé. Vous êtes blessé? Dis-moi tout. Ce n'est rien. Ok. Si tu le dis. Mais ça, c'est quelque chose. Hmm? Un arbre d'ailes argentées. Il a poussé au dernier endroit touché par le voyageur avant son départ. Les ténèbres ont été attirées ici, et la ruche est attirée par les ténèbres. D'accord. Messieurs... Hmm? Les choses qu'ils ont vues... Hmm? Ils ont vu quoi? Qu'est-ce que c'était? Quelque chose qui ne veut pas de nous ici. Les ténèbres? Non. Mais dis-moi tout. Mais c'est fait de ténèbres. Ce doit être vous, cette fois. Ok. Pourquoi pas. Ça. Si quelqu'un m'entend. Ouais. Répondez. Quoi? Nous vous recevons, Zavala. L'avez-vous trouvé? Ouais. La graine franchit les interférences. Eris. Ouais. Zavala. Venez me faire votre rapport à la tour, toutes les deux. D'accord. Nos transmissions sont potentiellement compromises. Ok. Ne le faisons pas attendre, gardienne. D'accord. Donc là, c'est la téléportation, tu vois, au calme. Qu'avez-vous trouvé? On l'a trouvé, ce ça. Ce sont elles qui m'ont trouvé. Les ténèbres ont essayé de me contacter, mais quelque chose les en empêche. Leur message semble... mutilé. Hmm? Mutilé? Par la sœur sorcière d'Oryx, roi des corrompus. Savathun. Votre obsession la rend plus puissante. Non. Elle se nourrit du déni, de l'ignorance. La gardienne a découvert un moyen de la contourner. Une graine d'aile argentée. Eris. Si les ténèbres essaient de nous contacter, nous devons en faire autant. Je n'autoriserai pas cela. Nous sommes au-delà des autorisations. Elles sont là. Je retourne sur Io. Si nous n'arrivons pas à déterminer ce que cherchent les ténèbres, nous serons à l'aube d'une seconde chute. D'accord. Bonjour. Peut-être est-ce ce que Savathun souhaite. Ne faites pas ça. Zavala, laissez-moi partir. Ok, vas-y. Où en étions-nous? D'après l'analyse spectrale, la pyramide, son système de propulsion, l'énergie qu'elle manipule sur Io, je ne vois pas de vaisseau. Je vois une entité. Paracausale par essence. Ok. Comme le voyageur. Tous les rapports de l'âge d'or concordent. Le premier jour, le ciel fut empli par les ténèbres. Le second, le voyageur tomba. Aidez Eris comme vous le pouvez, mais occupez-vous de la flotte ennemie lorsqu'elle arrivera. Hmm. Nous avons besoin de vous. D'accord. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ok. Là, je crois que c'est un petit chargement, tu vois, au calme, après. En loin.
Petit temps de chargement au calme. Ouais. Ok. En tout cas. La lumière résiste. Je suis toujours là. Tu vas parler à qui? On va passer par là. Donc là j'avance. Et ok, ok, j'avance. Y aller par là? C'est super, merci. Et apparemment, on va grimper par là. Affectation en cours. Ah vache, je vais où comme ça? Ça devrait faire l'affaire. Mais qui était censé résister à la chaleur? C'est super. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Zavala et Eris doivent comprendre qu'ils se battent du même. Ils vont tout simplement insister pour asseoir leur emprise. Il faut absolument les attaquer maintenant. R là. Attends. Non, mais dites-moi que c'est une blague. Et je comprends pas là, la mission. Ah, qu'avons-nous là? Même les langages informatiques non datés regorgent d'informations temporelles. Vous pouvez dater un fichier rien qu'aux signes qui ont été utilisés. Arrêtez. D'accord. Ces clés de décryptage algorithmique étaient censées résister à la chaleur. Bonjour. Mais ceci, nous verrons dans un prochain épisode. Je vais vous laisser. Et de ma part, je vous dis à bientôt.